des écoles dans l'aire de Port-au-Prince, dans le département du Sud-Est et dans les Nips. Leur participation à l'UNESCO avec le projet qui est vraiment un geste de solidarité extraordinaire. Ah, la UF. Bonjour la UF. Bernard Edler. Madame Kibo. Et là, il y avait un amphithéâtre ouvert. Il a donné la conférence de caisse. Il a agressé les deux présidents en disant je ne sens pas. Je vais bien, je vais bien. Moi, je vais bien. La voix devant ce que j'ai vu. Dominique Pierre, délégué au COPAM, du Bloc Caraïbes de l'Agence universitaire de la France. Merci d'avoir tenu parole. Et nous, ça nous connaît que ça n'a pas fait. Nous sommes conscients que ce n'est pas seulement l'humanitaire immédiat qui est nécessaire pour la refondation de votre pays, mais c'est aussi tout ce qui est votre vie quotidienne. Les murs, c'est vrai, ils ont vu le palais qui est là, ils ont vu les palais.